L'offre relation client chez Projection répond au besoin d'optimiser l'expérience client tout au long de son parcours, de l'avant-vente à la vente à l'après-vente. On entend souvent parler de relation client sous le prisme de l'outil. Nous, chez Projection, on envisage la relation client plutôt comme un process d'amélioration continue pour apporter beaucoup de petites touches de mieux tout au long de cette expérience et tout au long de ce cycle de vie. On peut répondre à ces besoins de plusieurs manières différentes. Mais concrètement, nous partons toujours d'une analyse de ce qui apporte de la valeur pour le client. Et pour ce faire, on essaie de replacer la voix du client au centre de nos réflexions. Placer la voix du client au centre de nos réflexions, c'est identifier les freins ou les leviers qu'il rencontre pendant son expérience. En identifiant ces freins et ces leviers, nous pouvons vite déterminer quelles sont les actions pour l'entreprise qui permettraient de dégager de la valeur et apporter une meilleure expérience globale du client avec la marque. Pour faire cela, nous commençons par étudier la maturité de l'entreprise. Nous nous demandons si elle a réellement les capacités de placer cette voix du client au cœur de ses réflexions. Nous nous demandons également régulièrement si les processus au sein de l'entreprise sont en place pour identifier et générer de manière dynamique des feedbacks sur la façon dont les clients vivent leur expérience. Nous rentrons ensuite dans une phase tactique, opérationnelle de mise en œuvre, où au-delà du projet global, nous envisageons quels outils et comment les intégrer au mieux dans votre organisation pour générer de la valeur rapidement. Un projet de transformation de la relation client passe aussi par un souci très important qui doit être accordé à la gestion du changement. En effet, il est primordial d'accompagner tous les utilisateurs et toutes les personnes au sein de votre organisation qui vont être impactées par la modification de leur façon de travailler. Alors, nos principales convictions en termes de transformation de la relation client chez Projection portent sur différents volets. La première est qu'il faut capitaliser sur deux leviers différents, la satisfaction du client et la connaissance que nous avons de ses usages. Quoi qu'il en soit, travailler sur ces deux dimensions nécessite un vrai sponsorship au sein de l'organisation, car se pencher sur la transformation de la relation client nécessite de faire les choses avec beaucoup d'humilité. Un autre point clé, c'est d'aligner toutes les différentes visions de ce qu'est un client dans l'organisation. Car en effet, quelqu'un qu'il vienne du commerce, de l'IT, du contrôle de gestion, de la finance ou d'un autre service, ne partagera nécessairement pas la même opinion de ce qu'est un client et de ce qui constitue sa valeur. Il faut donc savoir aligner ses visions et en tirer le meilleur, restituer une vue complète et utile du client à chacune de ses fonctions. Mener à bien un projet de transformation de la relation client, c'est également accepter de travailler en amélioration continue. En effet, il n'est pas toujours possible de révolutionner les choses et de faire un Big Bang. Il est donc beaucoup plus simple d'être humble et d'aborder les choses avec recul, d'identifier les quelques actions clés à mener pour lever les freins de nos clients, suivre la performance de ces actions, mesurer leur retour sur investissement et surtout se décider à continuer ensuite. Pour nous, un projet réussi sera un projet qui est mené selon trois principes clés, le pragmatisme, le bon sens et l'humilité.